Si, comme moi, vous en pouvez plus des enfants qui crient pour vous appeler en classe, alors qu'en plus vous êtes occupé avec un enfant, ben je vais vous donner une petite astuce qui, moi, a révolutionné ma pratique et qui fait qu'aujourd'hui je suis toujours saine d'esprit. Voilà, l'astuce, la voilà. Je demande aux enfants, lorsqu'ils veulent m'appeler, de se déplacer silencieusement et de venir poser une main sur mon bras ou sur mon épaule. Je sens leur présence, je sais qu'ils sont là. Donc si jamais je sens qu'ils sont très impatients, je vais moi-même mettre ma main sur la main de l'enfant pour lui signifier, je sais que tu es là, je sais que tu attends, t'inquiète pas, ça sera bientôt ton tour. Je termine ce que je suis en train de faire avec un enfant et ensuite je lui dis, je t'écoute. C'est génial, les enfants apprennent à ne plus nous interrompre. Ils sont très contents de se lever et d'être autour de nous. Alors de temps en temps, j'ai 3-4 mains sur les bras, mais c'est pas grave parce que ceux qui sont impatients, finalement, ils ont oublié pourquoi ils voulaient me parler, ils retournent à leurs occupations. Et puis ceux qui attendent, bah, ils savent que ça va être leur tour et que je vais être toute oui et que je serai là pour eux quand ça sera leur tour. J'entends plus crier dans ma classe. Alors là, Allez, soyons honnêtes. On est en octobre, de petite section de maternelle, j'entends encore un petit peu crier. Mais mon expérience me dit que bientôt, plus personne ne criera maîtresse. Et ça, c'est très vrai chez les moyens et chez les grands, ça marchait super bien. Au point même que parfois, en cours de récréation, j'avais mes anciens élèves qui venaient mettre la main sur mon manteau quand ils avaient quelque chose à me demander. Donc c'est juste adorable. Ça fait des enfants patients, calmes, qui apprennent à attendre. Alors, au début, il y en a qui ne vont pas réussir et qui vont continuer à crier maîtresse. Donc moi, à eux, je leur dis, j'écoute ceux qui viennent me voir et qui me parlent doucement. Quand on crie maîtresse, je ne me déplace pas. Les enfants qui sont à côté de moi, je sais que vous êtes là. Patientez encore une seconde, c'est bientôt votre tour. Après, j'ai même plus besoin de le dire. Une petite pression comme ça, ils savent que je vais être à eux dans 3 minutes. Si on donne des outils aux enfants, ils s'en saisissent. Et qu'est-ce que ça fait du bien au quotidien de ne plus entendre crier. Si ça marche avec vous, n'hésitez pas à faire passer le message et à laisser un petit commentaire, parce que vous allez voir, après, on ne peut plus s'en passer.